Bonjour, moi je suis Julien Duguay, je suis animateur radio pour l'association départementale des Francas du Tarn. La radio pour moi, c'est un outil qui va permettre aux enfants et aux jeunes de s'exprimer et de valoriser leurs paroles, leurs projets, mais au-delà de ça, les mettre en situation de communication vers un public donné, vers des auditeurs, des auditrices qui peuvent être du territoire en fait. Et à ce titre-là, ils vont avoir une action sur leur territoire, une action d'information, et donc ils vont développer leur citoyenneté à travers cet outil-là. La radio, pour moi, c'est un outil qui va permettre aux animateurs, aux formateurs, de découvrir l'environnement radiophonique, donc à la fois le cadre législatif, leur permettre de découvrir les outils, que ce soit du matériel de base, un lecteur-enregistreur, le logiciel Audacity pour faire du montage, mais au-delà de ça, un petit studio d'enregistrement. Et pour moi, c'est les mettre en situation. Je pense que c'est en faisant qu'on se rend compte aussi et qu'on apprend à comment faire et comment le transmettre aussi au public avec lesquels on pourra travailler ensuite. La radio pour moi, c'est être attentif à ce que les publics peuvent émettre pour pouvoir leur apporter des réponses ou leur permettre d'avoir les clés pour aller chercher eux-mêmes les informations à droite à gauche, pouvoir aussi à un moment donné les vérifier, ces informations, et pouvoir aussi les diffuser via le média radio. Donc il y a tout un volet d'éducation à l'information, comment on traite une information. La radio, pour moi, c'est un outil qui va favoriser l'écoute et la prise de parole. Dans le cadre d'émissions, il peut y avoir des débats, il peut y avoir différentes choses, et ces enfants et ces jeunes vont donc être amenés à écouter les autres, à argumenter leur point de vue, et donc à développer aussi des compétences individuelles autour de l'argumentation, autour de l'expression. La radio, pour moi, c'est un outil où on est sur l'expression orale. On n'a pas l'image. Ces images, c'est nous qui nous les créons en écoutant les différentes productions qui peuvent être réalisées. Donc ça reste aussi, pour moi, un espace où l'imaginaire, il peut s'épanouir beaucoup. Radio Franca, Radio Franca, Radio Franca, Radio Franca, Radio Franca, Radio Franca. Bonjour à toutes et à tous. Les Francas du Tarn interviennent depuis plusieurs années avec les CHAM, les classes à horaires aménagés musique, du collège de la Montagne Noire à la Bruyère. Aussi, aujourd'hui, je vous propose d'écouter les élèves de 6e CHAM, donc pour leur première émission, une émission musicale. Vous aurez donc Alicia, Amélie, Clara, Mila et Rose qui vous parleront de Maître Gims et de Dadju. Alicia, Elia et Johan partageront avec vous un top musical générationnel. Ambre, Maëlys, Sarah et Evan concluront l'émission avec Soprano, mais pour débuter, retrouvons Alicia, Juliette, Rachel et Gabriel qui vous présentent Bilal Hassani. Bonne écoute à toutes et à tous!